pochi mesi dalla grande mostra su Picasso, Palazzo Reale porta a Milano i capolavori della collezione Netter, l'illuminato scopritore di talenti. Dopo il successo riscosso alla Pinacothèque de Paris, approda nel capoluogo lombardo la mostra Modigliani, Sauten e gli altri artisti maledetti. In esposizione 120 opere di straordinaria bellezza di Modigliani e altri artisti che vissero e dipinsero a Montparnasse agli inizi del Novecento, nel corso dei cosiddetti anni folli, in cui il noto quartiere parigino divenne centro culturale di avanguardia e luogo di incontri di artisti e intellettuali. Tra le opere esposte spiccano i volti femminili stilizzati su lunghi colli affusolati, come Elvire con colletto bianco e Fanciulla in abito giallo, esposti accanto a Ritratto di Zborowski, Ritratto di Sauten e Ritratto di Jeanne Buterne. La mostra a Palazzo Reale dal 21 febbraio è curata da Mark Restellini. L'exposition qui est présentée aujourd'hui montre en quelque sorte la collection du collectionneur Jonas Netter. Cette collection est extrêmement importante, ce collectionneur fut l'un des plus importants collectionneurs de l'histoire de l'art du XXe siècle. Il a soutenu, aidé dès les premiers instants, aussi bien Modigliani que Soutine, que Utrillo, que Valadon, que Kissling. Il payait par exemple les notes d'hôpital d'Utrillo quand Utrillo était hospitalisé pour ses crises d'éthylisme. Il a soutenu Modigliani, il a envoyé de l'argent à Soutine pour que Soutine ne se suicide pas et remonte à Paris au moment où il était envoyé à Serré par son marchand et où il était très malheureux. L'ensemble de cette histoire est raconté dans cette exposition de façon équilibrée, cohérente, de telle sorte que chacun des artistes qu'a aimé Netter, qu'a aimé ce grand collectionneur, soit ici représenté avec justesse et équilibre. Évidemment, la part belle est faite à Modigliani, qui est sans doute la colonne vertébrale de la collection, qui est sans doute l'artiste le plus connu et le plus célèbre, mais qui aussi a été en quelque sorte le représentant de toute une école, parce que sa mort tragique, la façon aussi dont sa compagne s'est suicidée deux jours après sa mort, a fait de Modigliani un artiste hors du commun. Et cette espèce d'exception, d'exceptionnalité de Modigliani a été le modèle et a fait que la collection Netter était importante au XXe siècle. Et qu'un artiste, quand il était jeune, qu'il arrivait à Paris, c'était une sorte d'espoir de rentrer dans la collection Netter. C'était un but, une espèce d'ultime reconnaissance. Aujourd'hui, l'ensemble de ces artistes sont ici réunis de façon assez exhaustive et représentés dans un équilibre qui est le plus juste par rapport à ce qu'a aimé Netter, à ce que représentaient tous ces artistes pour lui. Benvenuti a Palazzo Reale, in occasione dell'inaugurazione di questa bellissima mostra dedicata a Modigliani e agli artisti di Montparnasse. E in quel tempo vi erano artisti
che invece di intraprendere il cammino rivoluzionario dei cubisti, dei fauvisti e degli espressionisti, ecco, decisero di porsi a metà strada, di trovare un nuovo linguaggio pittorico tra la tradizione e l'innovazione. E in questa mostra questo aspetto è ben rappresentato, perché ci sono artisti che certamente si riferiscono all'impressionismo, al post-impressionismo, oppure artisti come il nostro Modigliani, che si riferisce a una tradizione prettamente italiana, in particolar modo alla tradizione dei grandi toscani del 300 e del 400.